Salut tout le monde, ici Babouliné pour le 25e épisode de mon Let's Play sur Pokémon Y. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va. Donc, vous voyez que nous nous retrouvons exactement là où nous on s'était quitté la dernière fois à Mosheim, donc à mi-chemin de la 8e arène. Évidemment, aujourd'hui, on va faire tout le chemin qui nous séparera de la 8e arène. Et le 8e badge, nous l'obtiendrons bien sûr au prochain épisode, comme je l'avais dit. Alors, avant de commencer, comme je sais qu'on a beaucoup de chemin, Je vais, où qui sont, ils sont là. Je vais faire quelque chose, ah, j'en ai toujours un actif, d'accord. Je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait souvent dans ce let's play, c'est utiliser des repousses. Tout simplement parce que vu le chemin, j'aime autant que l'épisode ne prenne pas 3 heures pour faire ça. Ouais, je veux bien en remettre un, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, nous voici donc dans la porte qui va nous amener sur la route numéro 20. Bonjour. Eh ben dis donc. Bonjour. J'ai dit bonjour. Non mais. Eh ben moi c'est Babouliné. Babouliné. Ah ben que je. Oh oui, pardon. Allez, en route 19, pardon, je me suis trompé. Allez, sortons notre cherche-objet. Et ici, nous obtenons une filet-ball. Ça commence bien. Et nous avons déjà un adversaire. Bonjour. Ouais, et t'as prédit que je vais te péter la gueule? Pitrouille. Ah, oh, tu pourras voir son évolution. En plus, l'évolution de Pitrouille, j'aime bien sa tronche. Mais bon, peu de chance que vous la voyez dans cet épisode. Hein. Rapace, allez. Cette animation, comment elle est trop bien! Happy! Bon, c'est sûr que ça fait bobo, mais bon. Et un autre pitrouille. ZOMG, what the fuck, barbecue. Allez, on va changer d'attaque, on va faire bout de feu. Ça, c'est une animation qui dépop. Voilà, ça, c'est fait. Par contre, je crois que bout de feu fait plus mal que rapace. J'ai l'impression que... Ouais, j'ai eu plus de recul. Allez, on va voir de ce côté. Et ici, nous trouvons un antidote. Eh ben, merci bien, ça fait zizir. Par là-bas, par... Oh, combat aérien par ici. Do want. Par contre, Falco, il a pris un peu cher. Deux Pokémon et le premier est un Noirfang. Je pense qu'on peut faire une aile d'acier. Pas mal, lame d'air. Ah, ça ressemble vraiment à une lame, là. Je suis d'accord. Je plus sois. Et hop là, bye bye Noirfang. Allez, suivant. Terra. J'ai aile d'acier. Ah ouais, mais... Ah, mais est-ce que... j'ai peur de ce combat, étrangement. Bon, Falco, fais-moi un one-shot, s'il te plaît. S'il te plaît, sois mon petit Falco. Like a boss. Ah, voilà. C'est quand même mieux quand Falco se met en mode like... Enfin, c'est pas vraiment le like a boss, hein, bien sûr, mais ça fait quand même zizir. Alors, on va se soigner. Alors oui, j'ai fait quelques petites empêtes, je me suis un petit peu ruiné en Pokéball et en potions. Genre j'ai 42 Pokéballs de chaque ou tout comme ça, parce que ben, la réponse est 42, bien entendu. Alors, descendons par ici, et on trouve un item de l'autre côté, et il faut faire tout le tour, comme ça. Ça qui est bien, c'est qu'on a des spots où on peut éviter les combats, donc c'est nickel, genre c'est pas génial, c'est « Ah tiens, je t'ai évité !» Un PV+. Intéressant. Alors, ce pont qu'il y a là, juste là, si vous voulez explorer la route, n'y allez pas tout de suite. Commencez d'abord par défier cette jeune fille. Une équipe de type fée, tu dis? Mais j'ai aile d'acier, ils vont plus avoir... Monsieur, je disais, elle va prendre cher, tes fées. C'est parce que je voulais dire, mais j'ai inventé un truc, c'est pas grave. Allez, aile d'acier. Ah, boum!
Et une fée de moins. Azumarill. Nah, faut changer. On va envoyer... Bon, Johnny est parfait pour ça. S'il y a bien un poké qui dépop sa maman contre Azumarill, c'est bien Florizarre. Allez, on va faire un choc venin. Pas besoin de méga évoluer. Hein. Boum! Alors, c'est qui le patron? Cocotine. Le reste. Allez, choc venin. Et voilà, rentre dans ta Pokéball, le Poké. Et voilà. On lui a appris les bonnes manières à cette jeune insolente. Et là, hop, on va faire boing, 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 hop, et hop. Et on trouve un rappel max perché en plein milieu de ces machins. Allez, hop, 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 hop. C'était ici, je m'agourais. Allez, descendons. Ouais, je veux bien réutiliser un repousse, s'il vous plaît. Ici, on peut pas faire grand chose, donc descendons. Comprenez un peu pourquoi j'avais envie d'utiliser des repousses dans les environs. C'est encore des marécages et donc on va encore se faire assaillir par toute la population des marécages. Bonjour. Tu veux nager dans un marais? Ouais, je te pardonne, t'es bonne. Limonde. Bien, Limonde, ça peut. Bon allez, on va pas faire dans la finesse. Bout de feu. Flare Blitz on the things. Et voilà, coup critique. Parfait. Parfait, parfait. Oh, il a pris cher le Falco. Oh, il a pris cher sur le recul. Et voilà. Ouais, mais ça c'est pas grave. Tu fais quelque chose dans le combat? Allez, on va faire un petit changement en tête de l'équipe. Allez, on va mettre un peu Florges en tête. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu en tête, j'ai l'impression. On va soigner Falco. Tiens, d'ailleurs, en parlant de soins, si quelqu'un sait où se trouve un gros, où je peux trouver un gros locoque dans ce jeu, ça m'aiderait. Ah, bonjour. Allez, c'est parti. Bring it on, bitch. Comment c'est écrit, lui? Ça me paraît legit. Oh, il m'a intimidé. Mais j'attaque sur le spécial, alors je m'en fous. Alors, Florges va nous faire... Pouvoir lunaire sur écrémeux et Sleepy va nous faire un surf sur tout le terrain en mode rien à foutre. Pas mal. Mais t'as rien fait, Florges. Vas-y, montre-lui que tu peux passer à travers la confusion. C'est tout ça. Fichtre. Et voilà! Ça, c'est ce que j'appelle un boss. Bye bye la vache. Bye bye Milka. Un petit peu de régène. Ensuite, on va faire une tempête. Ah, pas une tempête florale, c'est pas une bonne idée. On va faire une triple attaque. Et là, on va refaire un surf, tant qu'à faire. Ça a beau être à moins 2, je pense que ça devrait passer. Ben voilà, parfait, magnifique. Que demande le peuple? Franchement, hein, que demande le peuple? Écoutez, moi je vais vous dire ce que demande le peuple. Allez, donnez-moi votre thune. Et c'est reparti.
Ah bah voilà, roche humide. Donc la roche qui rallonge dans ce puits. Ça va pas être ma première, ça, à mon avis. Et de ce côté-là, nous trouvons... que dalle. Oh oui, c'est parfait, je vais créer... que dalle. Et ici, est-ce qu'on a quelque chose dans les environs, s'il vous plaît, monsieur, dame? Oui, un os rare. Ça fait de l'argent, ça, c'est bien. Tout qu'en plus, je me suis véritablement ruiné. Je crois quand j'avais terminé mes achats, il devait me rester... peut-être 1500 poké-dollars, une connerie du style. Pas plus que ça. Allez. J'allais dire, je t'ai pas défié, toi. Ouais. Ben, ça n'empêche que je vais gagner ce combat. Alors, Mamambo. Tempête florale. Oh, ça fait rien. Ça fait rien du tout. C'est moche. C'est moche. Je parie que pouvoir de l'air va faire plus de dégâts. Ça fait à peu près 40%. Voyons, voyons. Papa, padada. Ah, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Et hop, notre petit Florges monte niveau 68. Johnny aussi d'ailleurs. Ensuite, petit changement tête de l'équipe, maintenant qu'on a des levels 68, on va mettre Denver, tiens. Et si jamais il doit faire un double, on va le mettre avec Exagide. Et ici, une corde sortie. D'accord. Pourquoi pas que... Et par ici, il va falloir surfer. Donc surfer. Et nous avons bonjour madame. Ça a pas grand chose à voir avec les Pokémon, c'est ce que je sais. Ah, c'est quand tu fais le Yamakasi. Et Molga. Face à Denver, ça risque de chier des bulles. C'est parti pour un Lazarus. Boum! Gros Ray. C'est parfait pour Exagite, ça. C'est parfait, parfait. Très bien, même. Ça dépop sa maman, la pakistanaise enroulée sous cellophane. Allez, c'est parti pour une ombre portée. Boum! Hop, Excalibur monte au niveau 68. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Allez, voyons voir ce que nous avons plus loin par là-bas. Je suis sûr qu'on a un objet intéressant. Ah oui, alors si je me souviens bien. Yep, je veux bien. Donc on le pousse d'un cran comme ceci, puis d'un cran comme cela, et d'un cran vers le haut, et de là, je crois que c'est encore un cran en haut. Et ensuite, ouais, je veux bien remettre un repousse s'il vous plaît, et hop, dans le trou. Et nous trouvons une plaque toxique. Ça fait combien de plaques qu'on chope comme ça? Je regarde un peu combien de plaques on a chopé sur les 18. Non, 17, il y a 17 plaques, pardon, il n'y a pas de plaque de type normal. Par catégorie. Alors, où sont mes plaques? Alors, fer, ombre, esprit, ciel, terre, toxique, point, glace, volt, flamme. 4, 8, 10. On en a 10 sur 10. 10 sur 17. Pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, on a une nouvelle zone. Enfin, un escalier qui s'est débloqué par ici. Donc, allons voir. J'aperçois déjà un item sur la gauche. Un PP+. Bien. Allez, continuons. Passons ce pont. Et un Pokémon de rejoint. Attends. Eh, monsieur, c'est mon Boulinet. Bring it on, bitch. Bon.
Et il a peut-être close combat. Allez, ça va te faire mal. Bon, allez, j'ai confiance en Denver, il peut le tenir. Provoque. Ça va, je vais connaître. Ah, boum, le laser glace. Espèce d'ouvre. Denver est niveau 68. Oh, c'est HP, c'est beau. Sleepy passe niveau 68. Et voilà, tout le monde y est. Pas la griffe. C'est parfait, on va faire un combat de type glace. Pouvoir antique. Ben c'est parfait, c'est parfait. C'est bien, brave petit Denver. Brave petit, voilà. Et hop là, c'est réglé. Pa-da-pa-pa-da. Allez. Bon, tiens, on a presque fait le tour de cette route. Qu'on a fait... Oh, une baie, tiens. Une baie Nanon, la baie anti-type glace. Et nous allons pouvoir grimper. Et une CT nous attend, il s'agit de la CT... Trop bien! Mais enfin pouvoir la prendre à Florizarre! Ouais! Allons-y tout de suite. Bob Burk, oh fuck yeah! Et comment? Alors, ouais, tu vas me dégager. Choc venin. Il serait quand même temps. Et voilà le travail. Allez, on va ranger les CT. Hop là, voilà, ça c'est fait. Mais tu vas te fermer quand on a street Pokéball. Voilà, ça, c'est ça, à force de faire mumus avec mes trucs, je finis par faire Nawak. Allez, on va faire du boing-boing d'un côté à l'autre. Ah non, c'est pas là, c'est pas là. C'est là. Et nous arrivons sur le pont. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit d'attendre avant de vous y aventurer si vous voulez explorer. Youpi! Et voici... La seule et unique Sana. Je sais que c'est une question difficile, mais à ton avis, c'est l'heure de faire quoi? Faire ce à quoi tu penses. Et oui, c'est l'heure d'un combat! Parce que je le vaux bien! Un combat, parce que je le vaux bien. Et enfin, elle nous redéfie! Enfin! Ça fait depuis le premier épisode qu'elle ne nous a pas défié. Ça fait 24 épisodes, et à peu près autant d'heures de jeu. Et commence par envoyer un Delcati. Pourquoi pas? Niveau 49. Je pourrais avoir un level plus élevé quand même. Et boum! Muplodocus! Rien que ça! Ah ouais, un Muplodocus! Ça rigole pas. Oh, on change pareil. J'adore sa tronche, un Muplodocus. C'est cool qu'il soit couvert d'un truc un peu lion, parce que t'as tellement envie de lui faire un câlin. Tu sens qu'il a une bonne tronche. Regardez ça, il a une bonne bouille, je trouve. Bon, enfin bref. Allez, c'est qui le dernier? Ça doit être... Gouplin. Allez, on va faire le changement. Gouplin va faire face, bon. Amphinomie, hein, j'ai envie de dire. Peut-être qu'elle a le starter faible par rapport au vôtre. Et hop là! Et ben on va surfer, hein! Ah, c'est un combat relativement. Bon, en même temps, vous me direz avec 17 levels d'avance, hein. Forcément, je peux pas non plus ne pas la démonter. Les combats entre copains, c'est vraiment excitant, mais ça me rend si nerveuse! Ça m'a rappelé tellement de souvenirs. Ah, le premier combat qu'on a fait à Carélis. Monsieur B, Sana. Ah bah tiens, les v'là. Alors quoi, vous essayez de monter un duo? Mais non, ils vont vous fabriquer quoi? Comme toi, bien sûr. Le professeur nous a demandé des nouvelles de Monsieur B, nous avons accouru. Ah, Monsieur B, j'ai un bon tempo, là, on se fait un combat. Ouh, Tierno qui nous défie de son propre chef. Je veux. Alors enfin, il sert à quelque chose, lui. Flambusa, ah ouais! Monsieur ne se refuse rien, en même temps j'en ai aussi.
C'est quand même con parce que j'ai cette petite attaque là. Ah, dans slam. Allez. Boum, le pouvoir antique. Ça, c'est fait. Next, please. Roserade. On va peut-être changer parce qu'on va en remettre, je sais pas moi. Falco, tiens. Ah, mais non, pas Johnny. Falco. Voilà. Ah, moi aussi, j'ai un Falco. Allez, histoire de pas prendre de dégâts de recul, on va changer, on va faire vol. Danse-fleur. Hello. Boum. En fichtre. Et enfin, ils vont nous envoyer, après le dégât du poison, Colomar. Ah, forcément, il avait un écrapince au début. Allez, on va envoyer Amaryllis, tiens. Juste pour lui laisser le temps de faire un attaque. Histoire de changer un peu, de démonter tout le monde d'un coup d'un seul. On va faire une force nature, ça devrait être bon, je pense. Ah merde, ça fait écosphère. Oh, ce fail. Enfin, c'est pas un bon fail, mais je pensais à quoi je m'attendais. Falco qui passe à 69. Hop là, on a battu Tierno. Ah, même si j'ai perdu, ça m'inquiète pas plus que ça. Je suis un peu bizarre, non? Non. Alors Titi veut faire un combat, ça va cacher quelque chose. Bah après ce qui s'est passé à Cromlac, j'ai bien réfléchi. Sans Monsieur Bé, je serais pas à grouver maintenant. Alors je me suis dit qu'il fallait qu'on se connaisse, mais pour ça, faut un combat. C'est un peu un caprice d'artiste, mais c'est mieux qu'un pauvre remerciement. Tierno, j'aime bien ta façon de penser. Car dans un combat, les dresseurs et les Pokémon communiquent sans phare et sans mots. Avant toute chose, je pense qu'il faudrait soigner tout le monde. Monsieur B, s'il te plaît. Bon, puisque tout le monde est parti comme ça, je pense que je devrais faire moi aussi un combat. Allez, pour une fois, contentons sur le combat et pas sur le Pokédex. Si même Trovato s'y met, on va s'amuser. Raichu. C'est vrai qu'il avait un Pikachu quand on l'affrontait à l'épisode... 7 ou 8. Cet épisode avec le Roflex. Quelle gueule. Allez, Laser Glace, tiens. Tonnerre. Ouais. Allez, bye bye mon grand. Et Denver qui passe au L69. Et bientôt 300 HP, hein. Florges. Ah, il en a un aussi. Je ferais bien un duel de Florges pour la déconne. Allez, allons-y. Ah, quoique non, je vais trailer la nouvelle attaque de mon Johnny. Profitez-en. Ouh, un Florges jaune en plus. Allez, Bomberk. Il a chambé le. Allez, finissons les cunères d'herbe. Et voilà le travail. Allez, next one, please. Florges monte niveau 69. Lalalala. Terra. Ah ouais. Rien que ça. Rien que ça. Un Terra. Monsieur ne se refuse à rien. Florges, Terra. J'avoue, ça colle pas trop à sa personnalité. Je vais dire Terra, c'est un truc genre va, je vais te péter la gueule. Alors que là, c'est. Trovato, c'est tout le contraire. Ah, il cache bien son jeu, le Trov, hein, comme dirait Tierno. Il cache bien son jeu. En tout cas, ça n'empêche qu'il va se prendre un surf dans sa face et hop, appui. Et hop là. Johnny monte niveau 69. On a fait un 3 sur 3. Il manquerait plus que Serena, comme ça on se fait les 4 d'un coup. Ça aurait pu être rigolo.
Mais là, bonne idée d'enchaîner les trois combats, je trouve. Je ne comprends pas ce qui cloche avec moi, absolument pas. Trop bateau ? Tu t'inquiètes de savoir si t'es fort ? T'as de la fièvre ? Ou alors c'est le soleil qui a tapé un peu fort ? Non, je sais, c'est voyager avec des Pokémon et de merveilleux amis, genre moi qui t'a changé. Ouais, tes chevilles, ça va, bitch, please. En parlant d'Amy et Serena, elle fait quoi ? Elle s'entraîne avec Pépé Evolution. Mais l'amitié et l'affection transcendent même la séparation. Bien parlé. Ceci dit, nous devons y aller. Au revoir. Bon bah, tchou. Ah. Non. Je vais pas me faire friendzone deux fois. J'ai vraiment bien fait de partir en voyage. Je suis populaire avec tout le monde. J'ai pu faire découvrir mon adorable Fennec aux gens. Tour du monde est... Que des bons souvenirs. Tiens, M. B, t'as mérité ça. Et elle nous remet la CS Cascade. La dernière CS du jeu, il y en a que 5. Comme ça, même si tu n'as pas encore le badge d'Ofrac les congères, tu pourras utiliser Cascade pendant les combats. Je suis vraiment une super copine. Allez, salut. Bon bah, à plus, hein. Allez, sur cette note, on va apprendre rapidement Cascade. Bon, il n'y a qu'un Finobi qui peut l'apprendre. De toute façon, tout ce qui est CTC, je ferai le ménage avant la ligue. Vous en faites pas. C'est pour ça que mes sets ont l'air un peu naze. Mais bon, ça compense, on va dire, que mon avance de level compense un peu. Allez, on va dégager le champ canon que je n'ai plus utilisé depuis à peu près 25 levels. Hop là. Allez, voyons un petit peu si on arrive en ville. Cherchez-moi s'il vous plaît. Ah, c'était là. Une chrono ball. Attention, on se fait toujours quelques pokédollars d'économiser. Voilà, est-ce que j'arrive bientôt en ville? Je crois que j'y suis. Ah, c'est bien, c'est intéressant ça. Sous champ de rumeur, les attaques de type dragon font moitié moins de dégâts. Bah, je savais pas, dites donc. Allez, et je vois qu'on approche de la zone de reset de l'appareil. Donc avant de franchir cette porte, un petit reset et je vous retrouve dans 9 secondes et demie. A tout de suite. Re tout le monde, donc c'est parti pour la deuxième partie de ce 25e épisode où nous allons arriver à Ofrac les congères. Bonjour. D'accord. Non, c'est bon, pas tout de suite. Bonjour. Un grelasson. On en avait chopé un à l'épisode de la caverne gelée, je sais plus c'était le combien. Et nous voici à Ofrac les congères, ville du 8e badge. Allez, bon, le premier bâtiment à notre portée, c'est le centre Pokémon. Et de toute façon, trois bateaux nous avaient plus ou moins soignés. Hop là. Bonjour. Nope, j'en ai pas entendu. Enfin, si, j'en ai, mais bon. Ça va. Bonjour. Et hop, notre ami Kersenov est ici. Allez, file-moi une aura. Hein. Non, c'est bon, je sais ce que c'est. Alors, c'est l'aura Récup Pépé. D'accord. Ok, ben, salut. Et j'avais vu deux personnes sur... Voilà, bonjour. J'ai dit bonjour. D'accord. Et toi, qu'est-ce que t'as à dire ? D'accord. Allez, explorons cette ville. Vous allez voir qu'elle est... que c'est pas bien grand, Frac les congères. Bonjour. Les grands Pokémon font une telle foule de possibilités, ça donne le vertige. Par exemple, tenter la force brute, on s'est sur la défense et le long terme. Ouais, on appelle ça aussi le stall, hein, la défense et le long terme. Bonjour. Grâce à l'air glacé qui s'échappe de l'arène, personne n'a besoin de climatiser. Ouais, vous êtes quand même pas mal vous les geler. Ah, tiens, le monsieur, bonjour. Salut, futur maître. Pas de chance, le champion est absent. Il m'a dit qu'il allait au bois du dédale. Il va falloir que tu partes à sa recherche. D'accord. Ah merde, c'est une pente, je peux pas y aller. Et on va continuer à faire le tour comme ça. Bonjour. D'accord. Ah, c'était là sur ce sapin, un spécial plus. Donc je dois dire que la musique d'ambiance de cette ville est vachement sympa. Elle est bien en phase avec l'endroit, je trouve. Alors, on se refuse rien ici. Bonjour. D'accord. Ah, c'est pour avoir les rafales feu et conneries comme ça. Non, ça m'intéresse pas. Do not want. Bonjour.
D'accord, donc Urup, c'est le champion, et les bois du Dédale, c'est ici, mais on va d'abord finir d'explorer la ville, c'est pas bien long, de toute façon. Puis je trouve qu'on passe de l'autre côté. Voilà, c'est là. Oh, qu'est-ce que ça dit ? Télémentaire, tu connais Evoli. Ouais ! Oh merde, j'ai glissé. Fichtre. Je vais écouter un peu, je vais vous laisser écouter la musique. Parce qu'elle est bien, la musique. À mon avis, c'est en dessous. Ouais, c'était ici, c'est un total soin. Et vous remarquez d'ailleurs qu'on a une boutique de freins et qu'on a surtout des bizarrois dans la ville. Moi, je trouve ça sympa, je trouve que c'est un bon concept. Salut, bizarrois. Allez, voyons un petit peu ce qu'on nous propose comme fringues dans le coin. Allez, on va... Bonjour. Alors, voyons un petit peu ce que nous avons. Un bonnet camouflage. Ouais. Non, je vais garder ma casquette Pokéball. Ici, un sweat à capuche. Ouais, t-shirt graffiti. Berk. Ouais, bof. Je vais garder ce que j'avais. C'est où ce que j'avais ? Mais c'était l'autre ! C'était l'autre ! En fut. Pantalon camouflage, pantalon chino, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, c'est pas mal. En noir, peut-être. Ouais, c'est bien, ça me plaît bien. Ce que tient rien. On pompe. Ouais, donc on va prendre les baskets. Ouais, c'est pas mal. En sac. Qu'est-ce que j'ai actuellement ? J'ai ça et ça. Ouais. Et en lunettes. Ouais, donc, allez, on va essayer ce que j'ai pris. Ouais, pas mal, j'aime bien. Je confirme. Est-ce que j'ai assez d'argent pour me prendre ça, je suis en train de me dire. Ouais, c'est bon, j'ai 47 000. Allez, je vous l'accompagne. On va finir d'explorer la ville, puis après on va aller donc dans les bois du Dédale et retrouver notre champion. Alors ici, c'est la sortie vers la route 21. Mais c'est pas prêt, c'est pas pour tout de suite. Bonjour. J'ai vu des choses dont je ne peux pas parler. C'était... Oh, c'était trop bien. Allez, bonjour les jeunes. Bonjour. Ils ont quand même une chance sur 5 de se dégeler d'eux-mêmes. J'ai pas de rondoudou, désolé. Des rondoudous, de toute façon, on peut en trouver dans les bois du Dédale juste à côté, donc... J'ai pas de problème. Et ici, nous trouvons encore une roche glace. Avec je compte le nombre de roches de chaque que j'ai, je dois en avoir un petit paquet. Alors, bonjour. Attends, une fille qui est partie. C'est le mec qui est de la famille de Serena. Je vois pas d'autres possibilités. Bonjour. Tatami Gaeshi. Non, mais enfin, il peut la prendre, c'est ce Sleepy. Ouais, ça c'est pas faux. Allez, donc on a bientôt fait le tour de la ville. Bonjour, j'ai dit bonjour. Ouais, mais bon, hein. Il s'est laissé aveugler par ses idéaux un peu utopiques. Bonjour, ma petite. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Bonjour. Ouais, vas-y. Alors ça, c'est une musique de Sinnoh. C'est quelle ville ? Ce serait pas Félicité, des fois ? Ça fait un peu musique d'ascenseur, musique de jazz.
Et tout de suite, nous retrouvons la musique de Félicité sur Geek FM 42.42. À suivre, remix rock de Tetris et de GoldenEye 007. À vous, les studios. Voilà. Allez, on va voir cette dernière maison. Et après, bon, on va s'aventurer dans les bois. Bonjour. D'accord. Bonjour. Je vois. Bonjour. C'était 08 gonflettes. Ah oh, ben merci, madame. Ok. Oh, il y a encore quelqu'un. Bonjour. En même temps, c'est vrai que c'était Isogras. Isogras. Cette blague. Isogras. Je suis content de m'apporter cette blague. Allez, on a fini d'explorer la ville. Je vous avais dit que ça irait relativement vite par rapport au temps qu'on met d'habitude pour explorer les villes. Et on va se diriger vers la route 20, donc les bois du Dédale. Située par ici. D'ailleurs, on va remettre des repousses histoire de pouvoir explorer plus tranquillement. Et en gros, une fois qu'on aura rattrapé le champion, j'arrêterai l'épisode là. Alors, mais Max repousse, c'est pas la bonne poche, c'est pas la bonne poche. Là, je vais essayer de voir pour mes roches où elles sont. Où sont mes roches, s'il vous plaît? Alors, roche glace. J'en ai deux roches lisses, j'en ai une roche chaude, j'en ai deux roches humides. Non, je pensais que j'en avais plus que ça. Alors, où sont mes max repousses, s'il vous plaît? Il m'en reste 5. Ça veut dire que je suis tranquille pour 1250 pas. Ça devrait aller. Et nous voici sur la route 20. Les bois du Dédale. À noter que vous avez ici la pierre pour faire évoluer Evoli en Philali. C'est un peu tard dans le jeu, mais... voilà, c'est par là. Allez, on va explorer un petit peu partout. Et nous trouvons... une baisse Cédra. C'est la bière anti-type Spectre, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est un peu un Dédale façon... j'irais presque façon bois perdu, en fait. En même temps, c'est bois du Dédale, bois perdu... De là, avoir une référence, il n'y a qu'un pas. En gros, vous avez plusieurs directions à chaque fois et il va falloir trouver la bonne. Enfin, tester un peu partout parce que vous pouvez obtenir des items, trouver des dresseurs et ce genre de choses. Alors, on a une sortie là et on a une sortie par là. Bon, on va aller voir par ici. Hein. Allez, ici, on trouve une plaque herbe. Et bien, ça nous fait 11 plaques sur 17. Et c'était donc l'autre chemin qu'on devait prendre. C'est-à-dire ici. De toute façon, vous repérez le chemin à la sortie, c'est pas compliqué, les lumières blanches comparées aux autres qui a une lumière noire. Allez, on va battre le duo de gamins. Les deux et les gamines, pardon, c'est des jumelles. Autant pour moi. Je vais aller me planquer dans un trou de souris. Cup canaille et cocotine. Donc des types. Alors, est-ce que j'ai une attaque qui touche les deux avec Denver? Bon, tu sais quoi, on va faire laser glace sur Cocotine et de l'autre côté, on va faire ombre portée sur Cup Canaille. C'est parti. C'est pas mal. Calinerie. Donc voici la seule attaque de type fée qui est physique. Quand vous savez que des monstres... Oh, c'était quoi ça? D'accord, échange. Quand vous savez que des monstres d'attaque comme Azumarill apprennent ça... ça fait... Il a ça stabé avec Coloforce. Bonjour! Bam! Alors, laser glace sur Cap Canaille et ombre portée sur Cocotine. Exagide, passe niveau 69. Lolololololol. Et hop, on va geler le petit gâteau. C'est pas bien de tirer la langue. Et hop là. Sleepy monte au niveau 69. Lolololololol. Et on a battu les jumelles. D'ailleurs, je crois que tout le monde est au niveau 69. Lolololololol.
Oui, tout le monde il y est. Allez. Tap, 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 c'est bon, il y est. Par ici, bon, on en a deux. Je voulais voir l'autre. Je voulais d'abord voir l'autre truc. Alors, oh, une petite fille, c'est une fille de conte de fées, ça. Et ma grande, c'est ma Baboulinet. Il était une fois une fille qui va se faire démonter en combat Pokémon. Deux Poké, et le premier est un Troussien. Oh, je suis mal, j'espère juste qu'il a pas un truc genre Lumino Canon, sinon je suis dans la merde. Bah, regardez comme il est tout petit par rapport à Denver. Anti-soin. C'est vrai qu'avec Farceur, il peut me passer devant. Accessoirement parce que Ragnar est là. Non mais c'est pas si mal. C'est un double choc, c'est un tout choc, c'est bien. Zone magique. Pas d'objet. Fiche travers. Ah et puis l'autre c'est zone étrange qui inverse la défense et la défense. Qui a toujours l'indétrônable distorsion. Distorsion. Azumarill. Je switch. Allez, on va faire Bomberk. Boum! Bye bye Azumarill. Et va le travail. Alors reprenons notre route. Est-ce que j'ai une sortie par ici? J'en ai même. Ouais, je vous permettrai un repos s'il vous plaît. J'ai trois sorties, bon, je vais prendre celle-là. Mais n'est-ce que l'objet est de l'autre côté quand même. Mon avis, il est sur la souche, là. Je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, on sait que c'est pas ici. Allez, on va prendre par là, tiens. Et c'est une zone où il y a une sortie. Parlons-y. Qu'est-ce qu'on a par ici? Tiens, allons voir. Une herbe mentale. Ça, c'est ça relève les problèmes de statut du genre quoi. Bah ça, c'est plus ce que ça a fait. De toute façon, c'est pas l'utilité. On a un objet dans les environs, tiens. Où qu'il est cet objet? Ah là, un petit champi. T'as con. Je suis arrivé d'où moi? Bon, on va aller voir par là. Ouais, je veux bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, là. Et forcément, c'était champi suave. D'accord. Alors. Et ici, on a un objet, une imprécision plus. Ok. Et c'est tout ce qu'on a dans les environs, j'ai bien l'impression. Donc on va redescendre. Oh, je peux aller par ici, dis donc. Allez, coupons. Et il y a une zone, tiens, allons voir. Ah, bonjour, ou une CP. Oui, moi aussi je peux le faire. Ça s'appelle appeler le Pokémon. Décéliande. Également connu sur Internet à l'époque sous le nom de Oroto. Alors avec lui, là je m'adresse au stratège. Il y a un set qui est complètement pété avec lui. C'est en gros, vous lui mettez son talent sur récolte, alors si ça existe déjà, forcément. Vous lui faites tenir une baie citrus. Et ensuite, en termes de move, vous mettez Vampigraine, Clonage, Malédiction, la version Spectre, bien sûr, parce que c'est un Spectre, hein, forcément, et Griffon pour la couverture. En gros, si vous arrivez à placer un Clonage et ou la Vampigraine, vous faites Malédiction, vous allez voir votre vie qui va remonter en 2-2, parce que
Bébécitrus bouffé, récolte, Robécitrus rebouffé. Ouais, Écosphère, trop bien. Bon bah, on va faire des petits changements de set, hein. Bon, on va la prendre aux deux. On va commencer par la prendre à Florges. Ronfokier. Alors, tempête florale, c'est bien gentil, mais... Nope. Et enfin, hop, on va la prendre à Johnny. Air d'herbe, c'est bien gentil, mais... Écosphère, c'est mieux. Voilà. Ah non, 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 c'est bon, il n'y a plus personne qui... Ah, mais non, c'est parce que je voulais bourrin. Voilà, mais non, là. Bon, il serait peut-être temps de se remettre en quête du champion. Alors, faut que j'essaie de m'y retrouver. On va voir par ici. Ah bah, ça a l'air d'être là. Bon, allons-y, hein. Nous voici au village Pokémon. Et tout le monde se barre. Oui, c'est bien ça. Tu sais ce que c'est ici, mon petit? C'est l'un des plus beaux secrets de cette planète, le village Pokémon. Les vieux Pokémon qui vivent ici ont échappé à une vie horrible, maltraités par des dresseurs insensibles ou sans scrupules. Enfin, pas tous. Certains sont trop puissants et ont compris qu'ils n'avaient pas leur place dans notre monde, alors ils ont décidé de vivre seuls ici. Dis-moi, mon petit, ton équipe a l'air de bien t'apprécier. Ouais, c'est bon, les amis, c'est une personne de confiance. Parfois, je suis un peu inquiet pour les petits, alors j'ai vérifié qu'ils sont bien. Ouais, c'est pas bien ça, j'en permets les usages de base. Moi, c'est Urup, ou Urup, le champion de Frac les congères. T'es venu ici pour le match, c'est ça? Yep. J'ai oublié que j'ai un travail à temps plein. Désolé pour le dérangement. Je te retrouve à l'arène, d'accord? Tu as passé du temps avec les petits avant, sois pas timide. Marche bien. Bien. Bon, ils sont contents de me voir. Donc, je vous propose d'explorer rapidement cet endroit. Et une fois qu'on aura terminé, ben, ça symbolisera la fin de l'épisode, puisque nous aurons préparé le chemin vers le 8e badge. Alors, notez que cette grotte, ici où nous ne pouvons pas rentrer, c'est là où il y a Mewtwo. Et vrai qu'il y a un ronflex ici. Oui, je veux bien. Allez, on casse les arbustes, on casse les arbustes. Une jolie aile. Un cours. A noter que dans ce coin, vous avez aussi des poubelles, comme dans l'hôtel Désolation. Et si vous y allez le jeudi, vous avez une chance de choper un Branette. C'est, je crois, le seul moyen d'en choper un. Pas l'air d'avoir beaucoup d'items dans les... Ah, s'il y en a un là-bas. Bon, je casse tous les arbres parce que je suis un vilain capitaliste et que je suis contre l'écologie. Allez, on va aller chercher cet objet là-haut. Une huile max. Allez, continuons. Oh. Merde. Un miel. Et tu prends le miel au fond de la poubelle. T'es dégueulasse. Allez, on va juste continuer vraiment voir tout ce qu'il y a dans les environs. Sans, il n'y a pas des masses de grand chose. Vous voyez que c'est une zone qui est relativement peu étendue. Et on trouve un autre miel ici. C'est parfait pour les hordes, ça. C'est même très très bien. Oh, attendez, il y avait un item près de la Pokéball. Une guérison. Quelque chose me dit qu'on a un item là au-dessus. Alors, est-ce qu'on a autre chose dans les environs? Eh bien, je crois que non. Donc, on va aller voir la partie où on peut surfer. Allez, on va jeter un œil. De toute façon, ce sera pas bien long. Et on trouve... Ouh, une plaque Pixie. C'est la plaque de type fée. Ça nous fait 12 plaques sur 17. Je me demande comment. Et ici, on trouve un miel, encore. Limite, je vais regarder vite fait pour voir les types qui nous manquent en termes de plaques. Je vais prendre 2 secondes pour faire ça. Alors, objet. Alors, on a... Nope. On a fée, acier, spectre, psy, vol, sol...
Poison, combat, glace, plante, électrique et feu. Donc il manque déjà la plaque de type eau, la plaque de type insecte, la plaque de... Alors on a eau, insecte, ténèbres. Non, ténèbres, non, c'est spectre qui nous manque alors. Donc eau, insecte, spectre. Oh, insecte spectre. Oh, insecte spectre. Oh, insecte spectre roche. Oh, insecte spectre roche. Et je crois que ce qui nous manque après, c'est. Insecte plante, poison, psy, roche, sol, vol, spectre, ténèbres. Acier, dragon. Et dragon. Donc il nous manque dragon, eau. Insecte, vol, non, dragon, eau, insecte, spectre et roche. Allez. Je croyais qu'on a une zone au-dessus, mais comme on a la cascade, on ne peut pas y aller pour l'instant. Et on va aller voir ce dernier petit lopin de terre. Mais nous ne ratons pas des masses de grand-chose. Non, parce qu'on veut revenir à l'arène en volant. Et bonjour. Voilà. Voilà, donc. Bien, on va s'envoler vers Ofrak les Congères. Puis je vous propose de nous arrêter à l'intérieur de la... Enfin, peut-être devant l'arène. Et vous voyez, vous verrez qu'en termes de map, on n'est pas loin d'un endroit familier. Je vous en dis pas plus. En tout cas, pendant que je fais le voyage de retour vers Ofrak les Congères, j'ai à peine le temps de le dire que j'y suis. Je vais d'ailleurs soigner mon équipe rapidement. Et bien, pendant que le soin se fait... Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé ce 25e épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, quel qu'il soit, dans les commentaires. C'est à ça que ça sert. Et donc, en attendant la suite, eh ben, nous allons obtenir le 8e badge et nous allons traverser la route située juste à côté pour rallier la route victoire que nous explorerons dans deux épisodes, parce que c'est assez long qu'on va faire un épisode spécial là-dessus. Donc, en attendant le 8e badge, eh ben, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut !